Moi, je veux astuce pour que mon mari me donne de l'argent. Il n'aime pas tout donner de l'argent, fait trop de calculs. Beaucoup de femmes m'écrivent cela en privé et me disent toujours la caviar. Mon homme n'aime pas donner de l'argent. Mon homme est dû avec de l'argent. Pourtant, il a de l'argent. Mais c'est les femmes qui sont dehors qui mangent l'argent et c'est pas bien. Tu souffres à la maison avec des enfants et tout. Je vais te montrer comment faire ce rituel aujourd'hui avec 3 bougies vertes pour qu'un homme te donne de l'argent, s'il vous plaît. Veuillez vraiment réfléchir avant de faire cela. Je donne ça parce qu'elle me dit que c'est son mari et elle souffre avec les enfants. Tu vas attendre quand elle va rentrer de son travail, ma chérie. Tu vas aller dans son porte-monnaie, tu vas retirer un billet dedans. Un billet qui commence par 1 ou 10. Là, j'ai 10 euros. Tu vas prendre soit 10 000 francs pour faire l'astuce, soit tu prends 1 000 francs. Donc, selon le billet qui commence par 1, comme je t'explique, tu vas attendre quand il va partir au travail et tu vas rester seul. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer, prendre les 3 bougies, écrire son nom sur la bougie et tu écris la somme d'argent que tu veux qu'il te donne souvent de temps en temps sur les bougies. Et tu vas mettre les 3 bougies en triangle. Tu prends sa photo, tu déposes au milieu des bougies. Et s'il te plaît, derrière sa photo, tu vas écrire tout ce que tu attends de ton homme côté argent. Et tu vas déposer au milieu des 3 bougies. Et la somme que tu avais prise, tu vas déposer cela à côté. Maintenant, les 3 bougies, quand tu vas commencer ton rituel, tu vas t'asseoir au sol. S'il vous plaît, habillez-vous en vert. C'est très important parce que là, on parle d'un rituel d'argent. C'est très important de mettre l'habit vert sur vous. Tu vas faire toutes tes incantations en disant tout ce que tu attends de ton homme. À partir d'aujourd'hui, je veux que quand tu travailles, quand le mois finit, voilà ce que j'aimerais que tu me donnes. Voilà. Tu dis tout selon ce que ton homme gagne. Ce n'est pas méchant. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu vas laisser la bougie consumer, pendant que tu parles, le feu en train de consumer, après au moins 30 minutes, tu peux te lever sur ça et tu laisses la bougie consumer jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Après, quand la bougie va consumer jusqu'à la fin, tu vas prendre sa photo, la photo de ton homme, tu vas mettre dans une boîte vide de mayonnaise, bouteille, cassap. Et quand les bougies vont consumer tout, tu ramasses tous les déchets de bougies. Tu vas faire comme ça. Là. Ça va devenir une boule. Tu vas mettre dans la boîte qui contient la photo, le billet et la boule de bougie. Tu vas sceller. Ça va devenir scellé et la bougie va devenir dure. Tu fermes cette boîte. Tu attaches avec un fil qui est vert. Voilà. Et tu laisses poser ça en bas de ton lit pendant 7 jours. Et tous les jours, à la même heure, tu vas faire tes vœux. Et quand tu fais tes vœux, pendant les 7 jours, après, tu vas aller enterrer. Maintenant, tu vas rentrer maintenant chercher l'encens que tu vois en image là. Tu vas brûler une cuillère à café tous les jours dans ta maison jusqu'à la fin de cet encens là. Tu vas revenir ici là faire ton témoignage. Même si tu as l'homme le plus avare du monde entier, tu vas voir comment ton homme va commencer à sortir de l'argent. Faites cela, utilisez ça pour faire des bonnes causes, n'allez pas faire du mal aux gens. J'espère que cette vidéo pourra vraiment t'aider, ma chérie. Bonne chance à tous, prenez soin de vous, likez et partagez la vidéo, ça peut aider d'autres femmes qui souffrent. Bisous.